En fait, moi, en tant que scientifique m'intéressant, enfin, travaillant avec les OGM, puisque je suis généticien moléculaire, et donc comme tous les collègues de ma discipline, on utilise la technologie OGM à tour de bras, et je fais partie de ces scientifiques qui, travaillant avec les OGM, sont aussi impliqués dans le débat sociétal autour de ces questions. Et de ce point de vue, InfoGM est un outil, je dirais, qui est devenu incontournable pour nous, parce que nous sommes confrontés à énormément de travail de bibliographie. Sur nos propres sujets, sur les sujets sur lesquels nous enseignons, etc., et qu'il n'est pas possible de couvrir toute la bibliographie, de tout faire. Ce sont des sujets polémiques, et les sujets polémiques amènent énormément d'articles sociétaux, d'articles également bien sûr scientifiques. C'est des sujets pour lesquels il y a beaucoup d'études qui sont faites à la fois dans le cadre des évaluations officielles et à la fois dans le cadre des universités, donc des études indépendantes, et que InfoGM nous prépare, nous mâche le travail, parce que lorsque on veut avoir une information synthétique, une information à laquelle on peut faire confiance, on sait qu'on peut aller directement à la source chez InfoGM, parce que ce travail, ils auront fait tout le travail de veille de bibliographie pour nous, ils auront vérifié, il y a une compétence scientifique, une rigueur scientifique chez InfoGM, qui fait que lorsqu'ils valident un article scientifique, on sait qu'on peut leur faire confiance et accorder une grande valeur à cet article. Et donc pour nous, évidemment, c'est une aide extraordinaire, et tous les scientifiques qui travaillent autour de ces questions, on a au moins un outil commun que nous partageons, c'est celui d'InfoGM. Donc je ne peux que encourager, évidemment, la nouvelle mouture d'InfoGM, tout comme l'ancienne, qui à mon avis, de toute façon, sera un outil toujours aussi pertinent.